le Congo. Et à la Bassani en Zambé, Balobi en Ouao. Et à la prophète Yamouké, 13 ans. Balobi Makambotali, la trahison. Et nous connaissons la Corée du Sahel. Aux soldats policiers, y a Congo. Aux policiers, des soldats, la RDC. Raison pour laquelle on l'a dit Teni Oana. Teni Oana est là et ça Teni au gouvernement d'Abisso et son Bélisso. On l'a dit en haut, on l'a reconnu comme étant congolais. Ça ne va pas valoir. Il n'y a pas congolais. Est-ce que tu as reconnu? Est-ce que tu as reconnu? Le coup, il y a armé la police dans la terre aux officiers, sous-officiers, soldats, caporaux, et dans le matelot, aux gens la droite, il a fait trahir Mbokalayo. Et il y a un ami qui a trahi ça. Quelqu'un d'un qui va salir un zambé dans le lit, il va le payer. D'une manière ou d'une autre. Qui le payera? Vous n'avez pas l'intérêt à collaborer dans Menguna. Vous n'avez pas cet intérêt-là. Parce que nous prenons de la devise, la trahison. Tandis que tu me dis non, c'est un bon la revue. Mon service est un habit tout bas. Nous sommes en guerre. Mais chose grave, ces gens n'ont pas tout haut, pas de corrompre Bango facilement, pas de pin du Kabango, pas de poser ma acte à ma vie. Et puis, ma douleur, pas de pin du Kabango, pas de corrompre tout l'abisso. De fois nos politiciens. Et dans ce cas, parce que vous l'avez dit, en haut, dans la télévision, dans la qui ça va homme politique, dans instrumentaliser, dans militaire, dans la police. En haut, on a profité, la minute haute, parce que la diplomatie, Batangi, officier à l'armée, Batangi, policier à l'armée et à la police. Bazala Kinshasa. Avant le Kinshasa, ceci te prendit sangui, bah officier en souche, de la trahison. Et avec preuve, et en même temps aux aveux, c'est grave, c'est grave. La lingui non a tout naïo, aux âges général, il y a FRDC, aux âges général, il y a police. Aux autres colonels, il y a FRDC. Aux autres colonels, il y a police. Au sein de la ville, aux autres Mamoutou Kanayo. Aux autres Mosinayo, aux autres Nanayo. Aux chéris, aux Zongi, aux Sali Mosinayo. Aux Mati, aux Zongi, aux Sali Tibo Kanayo. Mais au Lingi Babengayo, rebelle. Au Lingi vraiment Babengayo, rebelle. Est-ce que Bayani, signification, il y a rebelle? Mais qui a trahi, trahira toujours. Qui trahit, trahira toujours. Même la femme ou tout maillot, à ce point d'ailleurs, a rien dit que yo, aux autres traîtres, aux autres trahis. Même la femme au pays, aux analystes, il y a pas traître. A rien dit que yo, à ce moment, il y a trahison. Au comme un rebelle, pas d'un d'ailleurs rebelle. Là, les politiciens, au sein de la Zombe, aux gens bien, au pays Kintambo, au pays Israélé, mais non, ils ne vont pas être rebelles. Ils ne vont pas être rebelles. Ils ne vont pas être rebelles. Ils ne vont pas être rebelles.
soupe bunda. Qui maquillait soupe et que sopana, soupe bunda. Boko bangi sa bisote. Et mon toko bangi sa zapete. Mon enfant, ça fait la bina dans le sang. Vous n'avez pas droit à l'erreur. Bina dans la hawa. Vous n'avez pas droit à l'erreur de ça. Même pas à l'erreur de l'andangai, là-bas intérieur. Vous n'avez pas droit à l'erreur. Au côté de ma vie, au côté de ce que vous avez dit la joie. Au côté de ma vie, la joie, la caméra, quoi, mon côté de l'erreur. Au côté de la bloquée, Wana. Jusqu'à ce que ça ne va pas se faire récupérer. Alors, ceux qui ont récupéré, ils ont fait des watts. Ils ont fait des watts. Si toi et moi, si la Yama, pas la note, à moi, Bino, pour la Yama, on est au Yé, il est à Aou. Je fais ça en haut. Est-ce que je suis malade? Bayram, Boma, Yon et l'eau, au Sanjet, à Zak, la Batelanda, pour la Yama, la malade. C'est vrai! Vous êtes contacté, pour que vous en là. Vous allez vous en contacter. Mais c'est ici où je félicite les courageux, ceux-là qui dénoncent, pour avoir raison de dénoncer, moi de mon côté à Zokangama, parce que a dénoncé. Mais il y a aussi dénoncé, c'est au Zokangama, bon ça va, qui sera la prison, faites mort. Au Kosa, la prison, non, nous devons. Aya qui vous contactez, à sa capacité, à sa mort, il y a combien de temps la prison. Et ça, c'est qu'il y a les bottes à l'aïeux, il faut souffrir. Mais bon, dans le bateau, il y a un biftec. Bateau, il y a un biftec. Bateau, il y a un marche pied à l'abisso. Bateau, il y a un abisso comme ça là. Il y a un autre marche pied à l'abisso. Je suis fier. Il a fallu que tu aies mis le officiellement. Après avoir compris cette mort, je me dis, dans la défense, il y a un mot qu'on a gagné. Dans la défense, il y a un mot qu'on a gagné. Il ne faut jamais trahir. C'est ici que Nalingui l'a félicité Bino. Parce que les parents de la victoire sont tout ça. Je pense, si je ne me trompe pas, c'était le 16 octobre. Ah ouais. Le 16 octobre. La Yébissa Bilonoso, l'armée est apolitique. L'armée est apolitique. Ceci que va politicien, pas ça la mosala na bango. Ce s'ingérer na makambo na bango, il y a pas élection. Ceci que bango mokoda pona, nani ayo akobima, comme commandant suprême Yamampinga. Tony Bendaki. Avant, pendant et après, soldats à Fotagaté, policiers à Fotagaté, bande de cannabiso, mon corps a suivi, va voter, va le dire à Bissau, mon pinga à Bissau, police à Bissau, ce premier libino, papa à Bino, papa à Bino, et le commandant suprême à Bino, hey, Bissau, ton fan, dit aux otages, vous présentez Bissau là. Attaqué d'aujourd'hui, papa Nabino ya FRDC. Oya ta commandant suprême. Le commandant, il y a armé la mission. Son monaye, Félix, Antoine Sipe qui dit Kilombo, parce que Yen est président la mission, fait commandant suprême la mission. Est-ce que ça va? En tournée de travail dans la province de Mongala, le général-major Kisebwe Lamouseni Isa, commandant au secteur opérationnel Nord-Équateur en provenance de Kinshasa, est arrivé le samedi passé dans la ville de Lissala. Au pied d'avion, il est accueilli par les commissaires divisionnaires Yav Jean, commissaire provincial de la police nationale de Mongala. Après les honneurs militaires, le général-major Kisebwe Isa s'est directement dirigé à l'office du vice-gouverneur de cette province pour les civilités et pour échanger sur la situation sécuritaire qui
prévaut dans cette partie de la République. Le lendemain, le commandant secteur opérationnel nord-équateur a présidé une parade mixte PNC-FARDC de la garnison de l'Issala, au cours de laquelle il a insisté sur la discipline qui doit caractériser les soldats et les policiers de cette garnison, tout en exhortant chacun d'eux à bannir le tribalisme. Discipline, c'est la mère des armées. Même nanda qu'on a biso. Ceux qui disciplinent, ils attendent. C'est pourquoi Balobi, la discipline est la mère des armées. Attendez de Télémiawa. Attendez de Télémiawa. Ndenge tolati, ndenge balati, ndenge tutelemi, ça prouve que circonférence à stade, ils ont discipline. Sous discipline, ils ont été, et c'est tout le monde, ndenge naye. Alors, le coup déjà, commandant à la police, commissaire provincial, na équipe na binonyoso, ça prouve que c'est la discipline. C'est pourquoi la discipline, wana. Ils ont botté ma cambo et belé. Discipline wana, si vous kenan ayo li bosso. Discipline ayo, elle a un dengue bandego bazawana, bisognoso. Il faut pèse ayo, fonction à monene. Discipline wana, il faut pèse ayo, valeur. Discipline wana, il faut pèse presque toutes les bonnes choses. Peut-être, ce que discipline, ils attendent. On a commencé, tout le monde, même nanda qu'on a yo, il faut simbater. Après la ville de l'Issala, le général-major Kisseboué Isaac, accompagné du commissaire divisionnaire Yav Jean, s'est rendu en territoire de Binga, où plusieurs cas de criminalité ont été épinglés ces derniers temps. Sur place à Binga, le commandant secteur opérationnel Nord-Équateur s'est entretenu longuement avec le membre du conseil de sécurité de ce territoire et il a donné des directives claires et précises afin d'assurer efficacement la sécurité de ce territoire à vocation agricole. D'une ville à une autre, le général-major Kisseboué Isaac, toujours accompagné du commissaire divisionnaire Yav Jean, a remonté le fleuve Congo à bord d'un canot rapide à destination de la ville de Bumba, où il s'est imprégné de la situation sécuritaire de cette ville de la province de Mongala. Faisant d'une pierre deux coups, le commandant secteur opérationnel Nord-Équateur et sa suite se sont rendus en territoire de Yandongi, où il a été signalé des foyers de tension et d'insécurité, troublant ainsi la quiétude de paisibles citoyens. C'est après une semaine de travail intense qu'enfin le commandant secteur opérationnel Nord-Équateur a regagné Kinshasa à partir de l'aérodrome de l'Issala. Le stagiaire de la 7e promotion de l'école supérieure d'administration militaire de Kinshasa, ESAM, ont effectué ce vendredi 7 juin 2024 une visite d'études et d'échanges à l'école nationale d'administration de la RDC ENA située dans la commune de la Gombe à Kinshasa. À cette occasion, Guillaume Banga Wakimesa, directeur d'ELENA, a présenté à ses hôtes à l'auditorium de cette école l'objet social de son école et les stratégies de la réforme de l'administration publique congolaise. À l'issue de cette présentation, le général de brigade Kakenza Jean-Claude, commandant de l'ESAM, a remercié le directeur général d'ELENA pour son accueil chaleureux. Je voudrais très chaleureusement dire un grand merci au directeur général de l'École nationale d'administration d'avoir accepté et permis la visite de ces jours. L'école supérieure d'administration militaire que j'ai l'honneur de commander, son état-major ici présent, ainsi que tous les stagiaires, ceux d'hier et ceux d'aujourd'hui, ne cesseront d'être reconnaissants pour la part combien importante que vous nous apportez chaque année dans les cursus de formation de nos administrateurs militaires au travers des visites. Nos deux institutions ont des similitudes dans leurs formations respectives.
Un échange marqué par une série de questions-réponses entre les anciens élèves, les cadres de l'ENA, les stagiaires de l'ESAM, suivi des témoignages sur la formation dispensée par ces deux institutions publiques de formation. Une visite guidée du site a sanctionné ces passages et un cocktail a été servi pour la circonstance. Le commandant de la 12e région militaire, le général-major Ngoï Kilubi-Bob, tient sa première parade après sa prise de commandement à l'intention des militaires de la garnison de Matadi et ses descendants d'entraînement de Tombangadio. C'est vendredi 7 juin 2024 au camp Redjaf. Tout part de la prière avec l'aumônier protestant. Dans son allocution, trois points sont à l'ordre du jour, à savoir la discipline. Il met en garde les militaires contre l'ivresse, la toxicomanie et l'abandon des postes. Tribalisme. Nos soldats, nos officiers, le roi de la Gokoana, c'est la Gokoana, c'est la Gokoana. Donc, vous avez une réunion avec vous, il y a un libre, il y a un amour, le roi de la Gokoana. Il rappelle aux militaires la mission des forces armées de la République démocratique du Congo, tout en les mettant en garde contre la tracasserie et implication aux actes de criminalité, en les appelant à l'intégrité du territoire national. Il fait allusion à la tentative de la déstabilisation des institutions du 19 mai dernier à Kinshasa, étouffée par les forces de défense et de sécurité. Le commandant de la 12e région militaire, le général-major Ngoï Kilubi-Bob, exhorte les militaires à bannir le tribalisme au sein de l'armée. Il leur demande d'être unis comme un corps. Concernant la politisme, son troisième point, il avertit les militaires contre les regroupements politiques et regroupements communautaires qui sont des pratiques incompatibles à l'armée. Soucieux de la sécurité sociale des dépendants des militaires, le commandant de la 12e région militaire, le général-major Ngoï Kilubi-Bob, recommande de la régularisation de la situation administrative pour ne pas connaître des problèmes en cas du décès des militaires. Une revue des troupes aux officiers clôture cette parade tenue au Karedjaf. Monsieur le commandant 22e brigade et commandant Axé Oussalama, mon général, les bataillons Guépard ainsi que les unités similaires sont rangés pour votre parade de cet après-midi. Commandant bataillon Guépard, lieutenant-colonel Dem, Liboaki Lipote Karey. Mardi 4 juin 2024, à l'état-major groupement naval, le commandant 22e brigade de réaction rapide et commandant opération Axe Oussalama, le général Douni Akashindi Fabien, a présidé une parade à l'instar de jeunes militaires fardessés de la promotion Guépard Academy, chef-lieu du Tanganyika. Cette causerie morale entre soldats et commandants a tourné primo sur les salutations et félicitations du chef d'état-major général des forces armées, le général d'armée Chiwewe Songesa Christian Secundo, sur les instructions majeures permanentes en rapport des opérations militaires en cours, parmi lesquelles la discipline, le respect des consignes et aussi l'interdiction formelle d'utilisation des téléphones, vidéos et photos pendant les opérations. Tertio, le commandant a rappelé aux militaires les efforts que ne cesse de fournir le président de la République et commandant suprême des forces armées, Félix Tshisekedi Tshilombo, pour une montée en puissance des forces de défense du pays. Notre devise, Yaliboso, Eza Kotin de la Bino, Mbote, Oya chef d'état-major général, Aebisa Kingana Tongo, Naebisa Bino. Parce que Aebi, espoir et affaire d'essai, Eza Nakati Nabino Awa. Mais à l'obé, Napesa Bino Mbote. Toyokabi. Toza naba instruction permanente. Usage à téléphone na champ de bataille ou bien usage de téléphone na carte opération. Usage à téléphone na mission ba pension et pe qui s'amine na forces armées. Car à tomber comme on a soldat propreté, oui. Le lo comme propre, c'est-à-dire que mon konziamboka azo sala nyoso pour toza la vraiment mibali. Est-ce que tu l'as dit en gomalam?
Voilà. Nous retiendrons que ces jeunes militaires, suffisamment entraînés et équipés, restent déterminés à défendre l'intégrité du territoire congolais jusqu'au sacrifice suprême, tout en présentant un espoir pour une paix et sécurité effective. Le général-major Cheshmouyou Justine, le commandant corps logistique et point focal gère des forces armées de la République démocratique du Congo, a visité le mercredi 12 juin 2024 l'avancement de travaux au centre supérieur dans la commune d'Engaliema à Kinshasa. Les locaux de cet édifice vont servir des dortoirs aux stagiaires personnels militaires féminins de l'école de commandement et de l'état-major, de l'école de guerre et de l'école supérieure de l'administration militaire. Ces chantiers en cours d'exécution est financé par la division de réforme du secteur de sécurité de la MONUSCO dans le cadre de la promotion de genre des forces armées de la République démocratique du Congo. Accompagné du commandant second de l'ESM, le lieutenant-colonel breveté d'état-major Mapindou Zimouima, le général Chéchi a fait le tour de différents locaux de cet ouvrage sous la conduite du sous-lieutenant Kakule Kasolone, chef de chantier et ingénieur en bâtiment du corps de génie militaire. En sa qualité de point focal, le général-major Chéchi s'exprime en ces termes. Nous sommes venus au centre supérieur militaire visiter un chantier de construction d'un bâtiment d'hébergement des stagiaires femmes de l'école de commandement et d'état-major et des autres écoles supérieures militaires. C'est un projet qui date de l'année passée, un projet exécuté avec les fonds nous trouvés par notre partenaire du moment, la division réforme du secteur de sécurité de la MONUSCO. C'est depuis des années que les femmes, donc depuis 1986 que les femmes ont commencé à fréquenter le corps de commandement et d'état-major. Depuis cette année-là, les femmes étaient et sont jusqu'aujourd'hui logés ensemble avec les hommes. On a voulu les séparer pour ce qui concerne l'hébergement, les séparer des hommes. Et pour le reste, elles vont continuer à travailler avec leurs collègues. Le projet est à mi-parcours. On vient voir c'est à quel niveau, parce que ça avait débuté au mois de décembre. Nous espérons qu'au mois d'août, ça sera fini et on viendra peut-être pour l'inauguration. Pour sa part, le sous-lieutenant Kakule donne le détail de l'exécution de travaux et livre la date de la remise de l'ouvrage. Les travaux ont été financés par la MONUSCO qui nous a confié l'exécution de ces derniers. Les travaux, c'est pour loger le personnel militaire féminin. La maison d'abord en question, ça a une longueur de 40 mètres et une largeur de 2 mètres. Ça comporte 20 chambres. Au niveau du rez-de-chaussée, nous avons 10 chambres et au niveau de l'étage, nous avons aussi 10 chambres. Et puis, chaque pièce sera occupée par une personne. La personne-là aura une chambre à coucher, aussi un petit salon. Les travaux, on avait commencé ça au mois de décembre. Et puis, nous comptons finaliser ça au mois de juin.